Bonjour à tous, c'est Andy Wheeler, on se retrouve aujourd'hui avec Maxou Pilote, salut Maxou. Salut Andy, on est aujourd'hui en ovale sur Daytona pour une course en Dallaradash. On va sans doute se faire foutre dans le mur au premier virage, alors laissez un pouce bleu tant que vous êtes sur cette vidéo. Et bon anniversaire Bruno. Voilà. Oh, je vais le tuer, j'en peux plus. Voilà. Je sucerai pour un sac. Oui, alors Emeric est là évidemment. Bonjour Emeric. Mais faut savoir qu'Emeric vient de se faire. Peux-tu nous faire un point rating, mon cher Emeric? Où étais-tu à 21h et où es-tu maintenant alors qu'il est 6h du matin? Ok, Nick, comme je peux, je commence avec un SR à 3,81 exactement. Et j'ai fini avec un SR à 2,30. Voilà. Embrick tapis dans le sel. Comme on dit dans le métier, c'est la baise. Bah à la limite, comme j'ai dit, ce serait de ma faute. Aucun problème. Voilà. Alors Embrick, loin de moi l'envie de te commander, mais si tu veux bien mettre un peu plus fort ton micro. Et un petit pouce. Non, non, ça, c'est ma voix de sel ça. Ma voix. Ah d'accord. Parce que comme on est en dallaradage, ça te tape un peu dans le micro. J'ai hurlé un peu. One more lap. Je crois que j'ai réveillé la baraque entière. Pour ailleurs. Ah, je te jure. Pourquoi le monde est aussi complet? Oh, madame qui est en bas. Y'a rien de bon. T'as passé une bonne nuit? Me fais pas chier. Ah bah là... Elle dit plus rien, donc. Eh, on est pas en train de faire un super chrono? Et c'est un très joli 15e chrono provisoire, donc on va sûrement partir 27e, mais bon. Bon, on a 2 minutes à tuer, donc voilà, je vais vous raconter une blague, c'est faux. Moi je rentre au box. Ah, on peut même plus rentrer au box, il t'arrête la session dès que t'es rentré au box. Putain, ça a été vite. Ah non, c'est parce que j'ai l'impression que tout le monde a fait la qualif, donc du coup ils ont arrêté à la fin. Oh, bien ça. Et on part à une superbe, quoi, 16ème place. Non, c'est moi 16ème. Ah bah dis donc, suffisait de demander. Trop de Vanda, faut lui donner un truc, hein. Je sais pas quoi, mais il faut lui donner un truc. Alors, on est tous en train de se coller comme des bolos. Un sac, quoi, je veux juste un sac. Oui, parce qu'Emeric est sur PUBG. One lap to green, line up on the inside, pit road is closed. Tu veux un sac? Non, j'ai dit oui, parce qu'il faut un sac. Je ne peux rien prendre. PUBG. Ah, je demandais si tu voulais que je me... Que tu te... Mute. Ah, non, tant qu'on n'entend pas des coups de Riot Gun, tout va bien. Ah, ça va arriver. Le dubstep gun. Sac. Je trouve de tout, des armes de ouf, mais pas de sac. Alors qu'on a Cole devant nous. Sean. Ouais, je pensais plus à Cole Trickle, évidemment. Andy sur la droite. Ça, vous avez bien vu sa voiture. Je crois qu'il allait taper le rail. Je prédis 2 tours, hein, perso, avant le massacre. Dévis.
ça bourdonne. Comme Didier. Get ready, going green. Merci à tous. Oui, sac à dos, sac à dos. The pace car is in. Green, green, green. Bien joué ça. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Putain, je suis encore en train de faire des tonneaux, mais lol. Ça, ça commence bien ce retour en ovale. Et on part sur un incroyable netcode du jeu. Au moment où j'ai, j'ai passé la puissance, j'étais en troisième, hein, donc franchement, je pouvais pas partir en tête à queue, mais la voiture est tout de suite partie. Bon, bon, voilà, tout va bien. Je suis content que ça soit pas classé. Turbulence dans le volant, c'est ouf. Alors que Martin Duncan nous sort un très joli Idiots. Ah mais les turbulences, regardez l'état de mon volant. Je suis en vrac partout. Devant ça va taper, hein. C'est pas possible que ça tienne. On est dixième, incroyable du fion. Avec notre joli skin John Player. Special. Ah d'accord. Ah putain, tu as qui c'est de fouiller les pieds. Oh là, c'est allé taper le mur des box. Go high, keep digging. Oui. Ouais, c'est moi. Sérieux? Ouais. Oui, c'est moi. Ah merde. Oh là là, oui, oui, oh là là, oui, oui. C'est plus de la remise en question à ce niveau-là. C'est du coup là. À ce point-là, on me dit ? Impilotable, et... Putain ! Mais réparer ou... Réparer, réparer ! Impilotable, je sais pas ce qui se passe. Calibrage de volant, t'as pas changé ? Bah non, tout va bien. T'as pas joué à Dirt Rally ou à Dirt 4 ? Je merde. Non, pose la question à la mauvaise personne. Insupportable. Je suis en quatrième, j'ai peur de la perdre à n'importe quelle seconde. Et le problème, c'est que je suis rentré dans les mecs devant et ça m'énerve. Summer, t'en veux. Run Simulator. Hey, si vous voulez faire des bras, prenez pas un abonnement à Basic Fit, hein. Prenez un abonnement à iRacing. Hein. Nom de Zeus, de nom de Zeus. J'ai des avant-bras en béton. Alors, je recommande la Porsche Cup et la Dallaradash pour toujours plus de muscles. Il y a un test PC. Ensemble, oui, oui, bien sûr, bah oui. Tellement de peuple dans les box. Toujours P8. Putain, mais qu'est-ce qui se passe avec cette voiture, quoi ? Qu'est-ce que t'as ? T'as trop de sensibilité ou c'est... Non, et à partir du moment où je pose les pieds sur l'accélérateur, elle veut pas tenir. Putain, je me mets en 6ème, je pars du cul dans tous les sens. Et j'ai encore réparé ma voiture. Bon, la pluie s'est arrêtée. Dès que je prends la vitesse, ça va mieux, elle tient mieux. Ça me fait chier de ruiner la course. Moi j'ai énormément de turbulences, hein. C'est ouf. Alors peut-être parce que j'ai peut-être pas la mémoire et que c'est souvent comme ça, mais là j'ai vraiment des bras très très contraints par rapport à d'habitude, j'ai l'impression. La Dallara là. Ça dépend des ovales, ici on est très 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 vite hein, à Daytona. Après, devant moi le 6 et le 7ème se donnent des coups de roue. Ce qui est toujours une bonne idée évidemment. Pardon. Oh là là, c'est compliqué.
que Vanda a pris un abonnement au micro. On a le 14ème qui nous revient dessus comme une balouse. J'ai enfin réussi à faire un tour complet. Je vous entends. Keep high. Clear. Drafté par un Deus. Outside. Clear. Car inside. Clear inside. J'ai tellement chopé de bons filons, bon sang. Quoique... Oh là 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 là. Oh là là. Terrible. Voilà. Car outside. Ah, c'est plus chaud que l'Instagram de Kim Kardashian, là, c'est brûlant. Allez, il reste 5 tours de course. Je parle pas beaucoup parce que j'essaie de suivre le garçon devant qui est un excellent poisson. Tant que je suis dans son sillage, on est imbattable. Un vieux jeu de catch, SmackDown vs Raw 2009, où le truc c'était seul, vous êtes seul, à deux, vous êtes invincible. Voilà. C'est un peu ça en fait. C'est tellement la philosophie là. Parce que là on revient sur le 6ème et si je peux lui garder son aspi, on est bon. Et le mur, on passe P6, il me touche! Oh, le contact avec le 6ème alors qu'il était allé percuter le mur! Il nous touche sur le flanc, on n'a pas de dégâts, on est monté P6! Moins de 3 tours! Est-ce qu'on irait chercher le top 5? On est un peu loin maintenant pour Bradley. On a perdu son aspiration, je crois. Il reste 2 tours. Incroyable la faute du 6ème qui est sorti dans le mur et en revenant sur la piste nous touche sur le ponton. La voiture ne semble pas endommagée. En tout cas, elle est parfaitement pilotable, mais on a perdu de la vitesse. Là, on n'est plus du tout dans le même rythme. C'est dommage, on a fait peut-être 5-6 tours avec l'aspiration de Bradley Anderson devant nous qui nous aura bien servi. On avait donc... attraper le bon lièvre. Mais là c'est terminé. De toute façon la voiture n'a plus assez de vitesse. Et dans le banking maintenant. Drapeau blanc, dernier tour. On va y arriver dans ce dernier tour maintenant. Voilà le white flag. Bradley Anderson qui demande à ce qu'on s'écarte devant. Il est 12ème, il n'a plus rien à gagner. Si ce n'est peut-être nous... Oh, il va dans le mur! Anderson qui a touché le mur, je crois. Ouais, c'est terminé pour Bradley Anderson. Alors qu'il tentait de reprendre le 5ème. Et on ne pourra pas aller chercher le top 5. Mais c'était une course intéressante où on a chopé un pilote plus rapide qui a eu des soucis. Et on est donc bien remonté. Et on va terminer à la 6ème position. Et bien voilà!
course, ma foi, correcte. Et c'est terminé. There's the flag, it's over. Great job, you did really well. Eh bien, messieurs, je n'ai plus de main. Oh, ça oh part la sur, vache. Ça part sur une 17ème position, sur deux arrêts au stand en course, sur plusieurs accidents et un fois 8. Donc, Kamboulox. Hop. Et okay, the race is over. Bring it on in. Oui, voilà, je m'en doutais. Allô? Oui, nous sommes là. Il y a plus de tonalité. Bah, il y a de la tonalité et en tout cas, c'était une course de mon côté, si je puis dire, de manière un peu égoïste, intéressante. En tout cas, bah voilà, comme quoi, choper le bon filon peut vous permettre de gagner peut-être facilement 4 ou 5 places. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de l'aventure iRacing. J'étais seul aujourd'hui puisqu'Andy n'avait pas beaucoup de chance. Ouais, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Bonsoir et bonne journée à vous si vous regardez cet épisode en fin de journée, si pas sur le temps de midi, quand elle sera publiée. Merci messieurs. Et bonne soirée. Salut. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quelle que soit votre simu favorite. À la prochaine. Salut. Ciao.